Bonsoir à tous. Les images que vous allez voir ce soir sont spectaculaires, rarement vues à la télévision. Et pourtant, elles ont été tournées chez nous en Suisse romande. Celles de malheureux vivant en quasi-permanence sous une armure de fil d'argent pour se protéger des ondes électromagnétiques, dont le lit même doit être protégé par un rideau métallique. Les ondes électromagnétiques, justement, ce sont elles qui sont sur le banc de l'accusation, au propre et au figuré. Vous allez entendre un homme en Italie atteint d'une tumeur cancéreuse dont l'origine, reconnue par un tribunal, est le téléphone portable. Wi-Fi, téléphone mobile, antenne, four à micro-ondes. Les ondes électromagnétiques sont partout, invisibles, mais leurs effets sur la santé sont désormais avérés par les scientifiques. Reste à savoir à quelle dose. Car si les hypersensibles à ces ondes sont des cas particulièrement spectaculaires, les effets sur le cerveau, sur l'ADN ou les risques de cancer chez chacun d'entre nous sont au cœur de la polémique. Le poids des lobbies industriels et la dépendance de notre société à cette haute technologie brouillent les appels à la précaution. Il est temps pourtant de les entendre, ces appels. Regardez ce reportage signé Clémentine Bugnon et Jean-Daniel Bonnenblust. Dans les nouvelles familles de produits connectés, un produit qui est très tendance, c'est la montre connectée, qui vous permet de recevoir vos emails, qui vous permet de regarder vos photos et qui, accessoirement, vous donne l'heure. Ensuite, bien entendu, par excellence, les téléphones mobiles, ils le sont tous aujourd'hui. Toute la gamme des ordinateurs est très connectée. Une famille originale à laquelle on ne pense pas, c'est la famille des balances, des pèse-personnes. On a des bracelets connectés. Alors les bracelets connectés, la particularité, c'est qu'ils vous donnent des informations non seulement sur votre activité physique dans la journée, mais également sur la qualité de votre sommeil, par exemple. Les appareils photo aussi sont devenus connectés. Que ce soit les réflexes, que ce soit les compacts. Et on va peut-être terminer par une famille qui est aussi bien connectée, c'est donc la famille du son. Hein, toutes les petites enceintes acoustiques, les docking stations, sont aujourd'hui toutes connectées. En fait, les produits connectés se développent de plus en plus et on pourrait dire qu'ils sont pratiquement sans limite. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Quand on est dans le sans-fil, on est évidemment dans le rayonnement électromagnétique. Est-ce que vous avez des clients qui s'inquiètent de ça? Il y a des clients, effectivement, qui peuvent poser des questions, mais on fait confiance aux ingénieurs, on fait confiance aux marques qui dosent à des niveaux très faibles pour que ce ne soit pas préjudiciable à la santé des personnes. Dans le monde connecté, le téléphone mobile est une star. En Suisse, 97% de la population de plus de 16 ans en utilise un. Qualifiés désormais d'intelligents, les appareils communiquent entre eux via les antennes dans un nuage électromagnétique qui rayonne en permanence. Mais derrière l'enthousiasme quasi général suscité par cette technologie, le débat médical et scientifique s'affole. Le rayonnement de la téléphonie impacte-t-il notre santé? De quelle manière? Ces 10 dernières années, des milliers d'études ont été publiées sur le sujet. Docteur en biologie, Daniel Favre a mené une recherche originale publiée dans une revue scientifique de référence pour l'apiculture. Son idée, placer deux téléphones en communication de chaque côté d'une ruche et enregistrer le son produit par les abeilles. Alors c'est intéressant de faire avec l'abeille parce qu'elle n'a pas ce qu'on appelle des effets psychosomatique. Elle réagit ou non. Un être humain va peut-être voir les téléphones et déjà réagir psychosomatiquement et avoir déjà des manifestations de ce mal-être, s'il y a mal-être. L'abeille, elle ne fait pas ça. Elle ne sait pas que je mets deux téléphones portables. Et je vois, après une demi-heure, trois quarts d'heure, j'entends qu'elle réagit parfois fortement à cette perturbation. Les abeilles s'agitent, deviennent nerveuses, et vous pouvez analyser ce comportement grâce au son que fait la colonie dans la ruche. Un son qu'on appelle le chant des abeilles ouvrières, qui est un signal d'une ruche perturbée. Qui veut dire quoi exactement? Alors ce signal est un des deux messages
que la colonie a pour donner le signal de l'essaimage, autrement dit le départ de la reine avec une partie de la colonie hors de la ruche. Daniel Favre revient placer un micro à Nouvel An, moment de l'année où le trafic téléphonique est le plus fort. Il enregistre le même son. Les abeilles veulent quitter la ruche. Une expérience qui amène le chercheur à l'hypothèse suivante. La pollution électromagnétique pourrait expliquer des disparitions d'abeilles, en particulier durant les mois de décembre, janvier, février, l'hiver, lorsqu'elles n'ont aucune chance de survie à l'extérieur de la ruche. Des abeilles, mais aussi des hommes. Vincent Ruchet n'a pas toujours été agriculteur. Ingénieur de formation, il a dû changer radicalement de vie en 2013. J'étais technicien pour les grands opérateurs de téléphonie mobile. J'avais à peu près entre 10 et 15 appareils qui rayonnaient autour de moi toute la journée. Et c'est suite à ces années d'exposition, à peu près 8 années d'exposition directement, que mon problème est survenu. Vincent Ruchet est devenu électro-hypersensible, comprenez, intolérant au rayonnement électromagnétique. Un phénomène qui s'apparenterait à un effet de seuil, les symptômes se déclarant après la dose de trop. En Suisse, un sondage réalisé par l'Office fédéral de l'environnement en 2004 révèle que 5% de la population se déclare sensible aux ondes. Chez Vincent, il s'agit d'une hypersensibilité extrêmement forte. À peu près dans le quart d'heure, j'ai les premiers symptômes qui sont légèrement des picotements sur l'arrière du crâne, une énorme fatigue. Ensuite, ça remonte, ça me touche la vision et des céphalées terribles. Les facteurs qui sont permanents sont des migraines très incapacitantes. Cela ne me permet plus de travailler, de réfléchir ou de lire. C'est impossible. J'ai plus qu'envie d'une chose, c'est de m'enfermer dans une pièce noire et de plus rien voir. Le spectre électromagnétique s'étend de l'inoffensif rayonnement naturel terrestre à la radioactivité. Les champs qui font le plus débat aujourd'hui sont ceux des basses fréquences, des lignes à haute tension ou des appareils électriques, et ceux des hautes fréquences de la téléphonie, des antennes et du Wi-Fi, proches de celles des fours micro-ondes. Ces fréquences appartiennent à la famille des rayons non ionisants et Vincent Ruchet les redoute. J'ai quitté une position sociale qui était excellente avant, avec un salaire qui était superbe. Et maintenant, dans l'agriculture, je redémarre avec des moyens qui sont modestes, mais simplement je revis. L'ingénieur n'a toutefois pas complètement renoncé à son ancienne vie de technicien. Il consacre une partie de son temps au déminage informatique, à la demande de nombreuses personnes indisposées par les ondes. Voilà l'élément incriminé, le module haute fréquence, c'est lui qui génère le Wi-Fi, le Bluetooth, et qui nous pose tant de problèmes. Juste ce petit composant électronique. Alors qu'on peut très bien faire sans, simplement par une connexion par câble qui est beaucoup plus rapide, à peu près 10 fois plus rapide. Le problème d'un électrosensible, il refuse pas la technologie, simplement il faut qu'elle soit biocompatible. Isolé à 3 km de l'antenne relais la plus proche, Vincent Ruchet a trouvé une solution à son problème. Mais aujourd'hui, il est quasi impossible de se mettre complètement à l'abri du rayonnement. La téléphonie mobile s'appuie sur un réseau de 18 000 antennes bichonnées par les trois opérateurs, Sunrise, Salt et Swisscom. La Suisse, elle est bien couverte par la téléphonie mobile. Par exemple, Swisscom a 5500 antennes, grandes antennes, pour couvrir toute la Suisse. Et on a aussi des microcellules, c'est plutôt des petites cellules qui sont utilisées en ville pour vraiment servir la capacité aux personnes qui veulent transférer des données. Est-ce qu'on est arrivé à 100% de la couverture
de la suçabilité aujourd'hui? C'est plus ou moins 100%, oui, exactement. Ouais. Voici à quoi ressemble la couverture téléphonique de la Suisse. Avec les antennes GSM des premiers téléphones, celles de la 3G et de la 4G. Nous sommes donc tous exposés. Alors, jouons-nous avec le feu. Aujourd'hui, certaines consultations médicales voient se succéder des patients d'un genre nouveau. Est-ce que vous voulez me dire comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Peut-être quels sont les problèmes, les symptômes que vous avez aujourd'hui? Ils sont peu nombreux les médecins qui prennent au sérieux l'électro-hypersensibilité. Pourtant, près de Neuchâtel, Nathalie Calame fait face à une patientèle qui ne cesse d'augmenter. Tout à fait. Elle frappe l'angle de ma maison. De plus en plus, effectivement. En fait, il faut bien se rendre compte que nous sommes tous électrosensibles. Mais en fait, nous ne sommes pas tous électro-hypersensibles. Et c'est ça la différence. Il y a encore une grande partie de la population qui tolère relativement bien ces ondes, contrairement à ceux qui commencent à manifester des réels problèmes de santé. Il y a eu une période qui n'était pas facile, parce que même ma mère ou mon mari ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, comme moi d'ailleurs. Ils n'arrivaient pas à dire de quoi je souffrais. Et j'ai pensé à un burn-out, j'ai pensé aussi à une dépression, voire plus. Cette patiente a tenu à rester anonyme. Elle habite une petite ville et se méfie du regard des autres. Il faut comprendre qu'ils ont des malaises tels qu'ils doivent souvent lâcher leur métier. Souvent, ça crée des problèmes de famille, il peut y avoir des divorces. C'est des espèces de chutes sociales qui n'a pas de cause identifiée. C'est très pénible pour eux. Donc déjà, le fait d'être reconnu, entendu, permet d'avoir pied quelque part. En fait, pour mon médecin traitant, je suis le premier cas, entre guillemets, qu'il rencontrait. Donc, il m'a dit lui-même être démuni face à mes problèmes. Il ne pouvait pas m'aider. Ça veut dire que c'est plus facile pour un médecin aujourd'hui de finalement négliger quelque chose auquel on ne sait pas répondre plutôt que de s'en occuper? C'est beaucoup plus facile, parce que vous mettez le problème du côté de la personne. Madame, c'est dans votre tête. Ou bien, allez voir mon confrère, un psychiatre. Ou bien, allez voir un rhumatologue, il expliquera pourquoi vous avez mal partout. Ou bien, allez voir un spécialiste du sommeil, on vous expliquera pourquoi vous ne dormez pas. Disons que là, la médecine est tellement fragmentée, elle est tellement spécialisée, qu'il y a peu de médecins qui prennent en compte l'entier des problèmes de leurs patients. C'est évidemment plus facile de prescrire un Dafalgan et de référer aux confrères que d'ouvrir le problème. L'antenne téléphonique. L'électro-hypersensibilité est considérée comme une maladie en Angleterre, comme un handicap en Suède, où elle est prise en charge et considérée comme une infirmité physique liée à des causes environnementales, mais elle n'est pas reconnue par la Suisse. Ce n'est donc pas des autorités sanitaires fédérales que vient une réelle prise en compte du problème. De notre point de vue, l'électrosmog n'entraîne pas de maladie. Et les appareils qui en seraient responsables sont sûrs. Nous ne voyons pas la nécessité d'action urgente. Nous suivons la situation dans le domaine des rayons non ionisants et de l'hypersensibilité. De notre point de vue, ce n'est pas un objectif prioritaire. Cette prise de position ne rassure pas tout le monde. Pierre Dubochet est ingénieur en télécommunications. Il connaît très bien les champs électromagnétiques. Analyseur en main, il mesure avec précision les fréquences invisibles de notre environnement. Le champ magnétique naturel est extrêmement faible, il est à peine mesurable. À l'heure actuelle, dans une ville comme ici, le champ magnétique artificiel est d'environ 100 millions de fois plus fort, voire même des fois davantage, par endroit. Les micro-ondes qui sont employées pour tous les appareils sans fil ont une particularité physique, c'est de faire un champ qui est extrêmement variable et qui se répartit pas du tout comme la lumière. On l'imagine des fois uniforme. En fait, par endroit, à l'espace d'un mètre ou même moins, il peut avoir des variations de 10 ou 20 fois. D'où la question suivante. Les normes d'émission en vigueur nous protègent-elles efficacement du rayonnement électromagnétique ?
Il faut savoir que les normes ont été faites bien tardivement, à partir du moment où tous les équipements électriques étaient déjà instaurés. Ces normes ont été établies par l'industrie de manière à avoir des valeurs de rayonnement qui soient acceptables et pour éviter d'avoir des procès. Ces images de la télévision norvégienne montrent comment l'industrie pèse dans l'établissement des normes. La séquence a été tournée lors d'une réunion de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, l'IEEE, une organisation regroupant les spécialistes mondiaux des télécommunications. Quand leurs membres spécialisés dans la sécurité électromagnétique révèlent les noms de leurs employeurs, voilà ce qu'on apprend. En fait, il s'agit de représentants de l'industrie. Cette organisation a émis des recommandations sur les valeurs d'exposition liées à la téléphonie mobile. Valeurs qui ont été adoptées sans grande modification par l'Europe et par la Suisse. Les normes sont définies non pas pour une protection sanitaire en disant il n'y a aucun effet, il n'y a aucun risque. Elles disent simplement au-dessus de ces valeurs, on est certain qu'il y a un risque d'effet biologique à court terme. Et en fait, on a un peu travesti ce message en disant en dessous de ces valeurs, il ne se passe rien. Dans la plupart des pays aujourd'hui, la valeur maximum d'exposition aux antennes est de 61 volts par mètre. La Suisse a repris cette norme en y ajoutant un principe de précaution, limitant à 6 volts par mètre l'exposition dans les lieux dits à utilisation sensible. Sont concernés l'habitat, les écoles, les postes de travail à l'intérieur des bâtiments, certaines places de jeu, mais pas l'espace public extérieur ou les lieux de passage comme les gares. Aujourd'hui, les opérateurs sont toujours plus gourmands. Ils veulent faire sauter le carcan des 6 volts par mètre qu'ils estiment être une limite pour leurs activités. La demande, elle ne cesse pas d'augmenter. Et puis il y a des prédictions qui attendent encore jusqu'en 2020 une 10 fois plus de données transmises par les réseaux de téléphonie mobile. Mais c'est difficile de construire des nouvelles antennes. Et c'est aussi pour ça qu'on demande une augmentation de la limite, parce qu'on a remarqué que pour les sites existants, c'est plus simple parce que les gens sont habitués et il y a moins d'opposition. Au maximum, on pourra arriver à 17 volts par mètre. 17 volts par mètre pour les lieux à utilisation sensible, c'est presque 3 fois la limite de 6 existantes aujourd'hui. Cet enjeu d'importance pour la population est placé entre les mains du Parlement fédéral en décembre dernier. Suite à la pression des télécoms, des députés lancent une motion demandant la fameuse hausse. Le Conseil fédéral accepte la motion, mais demande au Parlement de se prononcer. Le national adopte le texte à une courte majorité, puis vient le tour du Conseil des États qui tient entre ses mains la décision finale. On a entendu les gens, en particulier les opérateurs de téléphonie mobile. Et là, ils étaient vraiment très, très nombreux et très pressants à ce qu'on avance très, très vite avec cette proposition. Par contre, dans ce cas particulier, c'est véritablement les personnes qui souffrent de cette intolérance aux rayons non ionisants qui nous ont écrit et manifesté aussi leur détresse, exprimé leur détresse. D'un côté, les besoins de l'industrie, de l'autre, le maintien strict d'un principe de précaution. Géraldine Savary n'en fait aucun mystère, elle se prononcera contre la motion. Mais pour son collègue appenzellois, Andrea Caroni, la prudence n'est pas de mise. Je suis convaincu que le futur de Space construit surtout sur l'infrastructure numérique et la télécommunication, c'est pour le bien-être de tous les citoyens. Et je voudrais bien vivre dans un pays où il y a une forte technologie dans ce domaine. Finalement, les soucis que rencontrent ces personnes qui se disent très sensibles, c'est un sacrifice nécessaire pour vous ? Moi, je trouve que c'est même pas un sacrifice. Si c'était prouvé qu'il y avait un vrai danger pour la santé, on pourrait faire un équilibre. Mais il y a des cas qui me semblent vraiment plutôt hypochondriaque ou maladie imaginaire. Ancien municipal lausannois, Olivier Français a autorisé pendant 16 ans des installations pour des antennes relais. Physicien de formation,
Il est ouvert à cette technologie, mais commence à s'interroger. J'ai 30 ans d'utilisation du Natel, puisque j'ai le Natel depuis 1986. Je constate que ma santé se porte bien. Par contre, c'est vrai que dans mon environnement, j'ai des connaissances qui sont affectées par l'électrosmog. Donc je m'interroge, et en tant que scientifique encore plus, on ne pourra pas s'amuser à augmenter par principe d'augmenter parce qu'il y a un besoin. Dire oui à une motion, c'est une autre matière sur une évolution. Voter la loi, c'est encore un autre impact. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai un vote en tout cas réservé. Le débat démarre, les opposants prennent la main. Donc on doit quand même en tenir compte. Et moi, je dois vous dire, chers collègues, que sur cette question, je fais acte d'humilité. Je trouve que comme parlement de milice, on atteint presque notre seuil de compétence. C'est très difficile de juger des effets de ces rayonnements. C'est très difficile de juger des conséquences de notre décision aujourd'hui si on augmente la puissance de ces antennes. Nous sommes quatre à nous être abstenus sur la prise en considération de cette motion. Et je suis l'un des quatre qui doute. Je ne suis pas sûr que la motion, qui est un acte contraignant, soit la meilleure des mesures aujourd'hui. Et oui, Monsieur Kramer, peut-être que je dirais non. Je suis toujours dans le doute. C'est comme Jim. Et contre toute attente, le Conseil des États dit non. Un retournement de situation créé par les partisans du doute qui l'emporte à une voix près. Damit ist die Motion abgelehnt und erledigt. La montée en puissance des antennes relais est donc repoussée à plus tard. Et dans l'attente, le réseau actuel continue à se développer. À Orbe, un projet d'implantation de l'opérateur Salt sème la discorde. On va nous installer une antenne sur le toit du bâtiment qui se trouve juste là à côté de nous. Et cette proximité, bien sûr, m'a interpellé. Et j'ai lancé une opposition à la mise à l'enquête de cette antenne. Jean-Daniel Besson est un ingénieur de Swisscom à la retraite. Les antennes relais, il connaît ça très bien, et la perspective d'en voir une érigée à 50 mètres de chez lui ne l'enchante guère. Et il n'est pas seul. La totalité des voisins résidant proche de la future antenne se sont prononcés contre l'installation. Quand vous étiez dans l'entreprise, est-ce que cette question de sécurité, de dangerosité des ondes supposées, est-ce que c'était thématisé, est-ce qu'on en parlait ? Sur l'aspect technique, oui. Jamais sur l'aspect médical. Et c'est un aspect que j'ai découvert entre-temps. Et j'ai été confronté en particulier avec mon voisin qui est électro-hypersensible, des choses que j'ignorais aussi. Donc maintenant, je revue un peu ma position. Le voisin de M. Besson habite à 30 mètres de l'immeuble où la future antenne devrait être placée. Juriste de métier, il a été médicalement diagnostiqué électro-hypersensible et doit se protéger de façon intégrale. Depuis 2016, je suis électro-hypersensible. Je dois, le jour, porter des tenues tissées en fil d'argent pour me protéger. La nuit, dormir dans une cage de Faraday, un baldaquin en fil d'argent. Si une telle antenne arrivait, le champ électromagnétique serait encore plus élevé chez moi. Et à une distance aussi faible, je serai littéralement irradié avec un danger de mort. Voici l'installation nécessaire pour la nuit, en l'espèce un baldaquin et un tapis de sol. Le tout tissé en fil d'argent et connecté à la terre. Donc, grâce à ceci, on parvient à filtrer environ 90% des champs électromagnétiques de basse, haute et hyperfréquence. La protection n'est donc pas totale, mais cela réduit l'exposition. C'est vraiment une vie qui bascule. Il y a un avant, et puis au cours duquel je ne m'attendais à rien de tout cela, et puis une césure, et tout à coup c'est la plongée dans un univers. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres personnes électro-hypersensibles,
et je me bats depuis lors pour tenter de ne pas couler, dirons-nous. Quels sont les symptômes que vous ressentez finalement quand vous êtes exposé au champ électromagnétique ? Des acouphènes extrêmement violents, au niveau cérébral, ça crépite littéralement. Des douleurs musculaires, des palpitations cardiaques, il y a une arythmie, donc extrasystole ventriculaire, très préoccupante, et des problèmes de vertige, une forme d'état de malaise général. Cette controverse autour de l'antenne d'Orbe illustre bien l'impasse dans laquelle se retrouvent très souvent les autorités communales. Un opérateur propose de payer un loyer à un propriétaire d'immeuble qui accepte une antenne. Le canton évalue le projet et si ce dernier respecte les réglementations, invite la commune à délivrer un permis de construire. La municipalité se retrouve donc prise en étau entre le canton et la contestation de ses habitants. Quant à l'opérateur, Salt, dans ce cas, il est prêt à défendre ses intérêts. L'autorité cantonale compétente a récemment approuvé notre demande de permis de construire concernant la dite antenne à Orbe. Par conséquent, il appartient désormais à la commune de prendre une décision définitive dans cette affaire. Donc finalement, que risque la commune si vous décidez de ne pas octroyer ce permis de construire? Qu'est-ce qui va se passer avec l'opérateur? Salt va mettre en œuvre ses avocats afin de pouvoir obtenir ce permis de construire malgré la volonté de la municipalité de ne pas le donner. Donc vous faites face finalement à une action juridique? On fait face à une action juridique qui a été menée de nombreuses fois par les communes et malheureusement très très souvent perdue par les communes. Alain attend avec anxiété la décision finale concernant l'antenne. Dans l'attente, il mène des recherches sur les effets des champs électromagnétiques et essaye de défendre ses droits. Il me semble qu'un droit de l'homme essentiel est le droit à la santé. Que par ailleurs, quand une constitution garantit le droit à la liberté individuelle, quel est son sens pour une personne comme moi qui ne peut plus aller et venir ? À ce jour, l'électro-hypersensibilité est reconnue et décrite par l'OMS, mais le lien causal avec les champs électromagnétiques n'est pas officiellement pris en compte. À Paris, des travaux scientifiques ont permis de mettre en évidence ce syndrome de manière objective. Ces travaux ont été menés par Dominique Belpomme, cancérologue internationalement reconnu et expert en santé environnementale. Voilà, c'est... Toutes ces armoires correspondent aux malades venus me consulter pour une intolérance au champ électromagnétique. C'est la plus grande série mondiale, 1500 cas examinés cliniquement et biologiquement depuis ces 5 dernières années. Les patients ont subi des examens neurologiques et des tests biologiques permettant de doser vitamines et protéines. On a aussi mesuré le flux sanguin de leur cerveau, ce qui a permis une découverte inquiétante. Nous observons effectivement que certaines zones du cerveau sont moins bien irriguées que d'autres, que ce soit lié à une baisse de fluidité du sang, notamment avec des globules rouges qui s'agglutinent, ou tout simplement aussi avec des capillaires sanguins cérébraux qui sont anormaux. Toujours est-il qu'il y a insuffisamment de sang qui passe, si vous voulez, dans ces zones du cerveau. Et à partir du moment où vous avez une baisse du flux sanguin dans certaines zones du cerveau, vous avez une baisse d'oxygène. Et quand vous avez un manque d'oxygène qui arrive au niveau des neurones, qui sont les cellules nobles du cerveau, et bien effectivement, vous avez dans un premier temps un dysfonctionnement des neurones. Et si l'exposition au champ électromagnétique persiste, vous avez destruction du neurone. Et à ce moment-là, nous entrons dans une véritable maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée à ce que Alzheimer a décrit. Alors voilà, un écho Doppler cérébral pulsé normal. Le Doppler cérébral pulsé est un instrument permettant de mesurer la vitesse des globules rouges dans les vaisseaux intracrâniens.
Ici, c'est le lobe temporal droit, ici, le lobe temporal gauche, et comme vous le voyez, le flux sanguin passe parfaitement. Chaque fois que c'est rouge ou orange, ça veut dire que le flux sanguin est normal. Par contre, ici, on a le même chez un sujet électro-hypersensible, comme vous le voyez, ici, dans cette région capsulo-thalamique, qui correspond au système limbique, il y a pratiquement plus de sang, plus de globules rouges qui passent. Un constat alarmant qui commence à trouver une prise en compte toujours plus large au sein de la communauté scientifique. Vous avez le rapport Bioinitiative, qui est un rapport qui fait l'état de plus de 3000 articles scientifiques démontrant formellement que les champs électromagnétiques sont excessivement toxiques, non seulement avec un risque de cancer, mais également avec un risque sur le système nerveux central. Et il y a des maladies telles que la sclérose en plaques pour lesquelles on suspecte très fortement une origine liée aux champs électromagnétiques. Donc c'est, si vous voulez, c'est pour ça que l'électro-hypersensibilité n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est toute une pathologie qui gravite derrière ce premier état biologique qu'est l'électro-hypersensibilité. Aujourd'hui, il y a vraiment un début de reconnaissance qui est croissant au niveau de la communauté médico-scientifique internationale. La communauté scientifique, mais aussi la justice. Dernièrement, plusieurs jugements ont été rendus en faveur de personnes souffrant du mal des ondes. À Toulouse, un tribunal octroie une rente d'invalidité à une femme reconnue électro-hypersensible. À Grenoble, la justice ordonne le retrait d'un compteur d'eau connecté nouvelle génération au domicile d'une personne également électro-hypersensible. Et à Brescia, en Italie, la Cour de cassation exige le versement d'une rente d'invalidité à Innocente Marcolini, un cadre d'entreprise qui contracte une tumeur suite à un usage intensif du téléphone cellulaire. Je devais parler avec les États-Unis, la Chine, Hong Kong, à des horaires déterminés, et je devais faire des tractations avec les banques, par exemple avec les instituts financiers au téléphone. Et tout cela durait beaucoup de temps. Et donc, comme j'écris avec la main droite, j'ai utilisé l'oreille gauche. Avec la main gauche, je tenais le téléphone ou le sans-fil pour pouvoir écrire avec la main droite et prendre des notes. Souvent, les téléphones duraient 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Donc, quand je raccrochais, j'avais vraiment l'oreille et le visage qui étaient rouges et je transpirais. Innocente Marcolini passait 6 heures par jour au téléphone. Il développe un neurinome acoustique au niveau de l'oreille gauche. Il s'agit d'une tumeur bénigne qui, dans son cas, doit être retirée. Il se fait donc opérer, mais n'en ressort pas indemne. Trois mois après l'intervention, je suis resté avec la moitié du visage du côté gauche sans sensibilité. Donc je n'ai plus de sensibilité de ce côté. Si vous me pincez, je ne le sens pas. Et c'est surtout l'œil où j'ai eu, comment on dit, un ulcère. C'était une douleur insupportable. Excusez-moi du terme, mais c'était vraiment quelque chose à se suicider parce que je n'en pouvais plus. Ne pouvant plus travailler, il se bat en justice pour obtenir une rente d'invalidité. Le tribunal tranche en sa faveur. Dans le cas de ma maladie, la sentence de la Cour d'appel et de la Cour de cassation dit que l'unique cause sont les ondes électromagnétiques. Cette reconnaissance par la justice est une première. Innocente reçoit une rente d'invalidité à 80%, mais il se retrouve aujourd'hui sur la touche. Le plus grand problème que j'ai eu avec cette mésaventure, c'est que cela a changé radicalement ma vie. Mon travail, ma profession me plaisait énormément. Parce que, à part l'aspect financier, etc., c'était aussi découvrir le monde, parler aux gens. J'avais sous mes ordres 400 personnes et je n'ai jamais eu aucun problème. Encore aujourd'hui, après 14 ans, ils viennent me voir, ils me saluent.
Je n'ai plus la satisfaction de travailler. Moi, je vois le travail comme une... comme une réalisation de soi-même. La réalisation de te stesso. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, classe les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, du sans-fil et du Wi-Fi comme des cancérigènes possibles. Une des études les plus récentes sur le cancer a été commanditée par le gouvernement américain à travers son programme toxicologique national. Le but, étudier des rats et des souris soumis au rayonnement de la téléphonie mobile de manière continue sur 2 ans. Nous avons contacté Ron Melnick, la personne qui a conçu le programme de recherche. Il a répondu à nos questions depuis le Connecticut. Nous avons testé l'hypothèse qu'il n'y aurait pas d'effet biologique. Et les résultats disent qu'on peut réfuter cette hypothèse, parce qu'on a observé des effets sur la santé. Le plus important, c'était une augmentation de tumeurs au cerveau, des gliomes, et une augmentation de schwannome du cœur, une tumeur bénigne. Les cellules de Schwann composent les gaines des nerfs. Là, c'était dans le cœur. Il y avait aussi des dégâts à l'ADN observés dans les cellules du cerveau des rats et des souris. L'importance de ces découvertes, c'est leur cohérence avec ce qui a été décrit chez l'homme. Mais diriez-vous que téléphoner est dangereux? Je dirais qu'il faut être conscient de la manière de l'utiliser. Les enfants devraient être limités dans la durée d'utilisation, surtout quand on sait que les radiations pénètrent plus profondément, avec plus d'intensité, dans un cerveau d'enfant. Un cerveau d'enfant en développement est plus vulnérable à ces agents. Mon conseil, soyez conscient de ça. Prenez des mesures de précaution, utilisez les haut-parleurs, utilisez des écouteurs, faites des SMS, sauf quand vous conduisez, et essayez de tenir l'antenne du téléphone loin du corps. Cette mise en évidence d'un risque de cancer confirme les résultats d'autres études sur l'homme menées en Europe. Études qui ont croisé l'apparition de tumeurs et l'usage intensif du téléphone. Toutefois, il existe encore de nombreux sceptiques. Je pense que personne ne veut croire que ce qu'il a en main comporte un risque potentiel de cancer. Mais maintenant, les preuves scientifiques s'accumulent dans le sens qu'il existe un risque pour la santé. Les résultats de l'étude sont encore partiels, mais le programme toxicologique américain a décidé de les rendre publics en raison de leur importance. Le rapport final sera publié fin 2017. Un point semble faire l'unanimité. Les enfants seraient plus vulnérables que les adultes face au rayonnement électromagnétique. En France, une loi interdit le Wi-Fi dans les crèches, mais en Suisse, il n'y a pas de disposition claire à ce sujet. Sonia et Karine ont toutes deux des enfants de 3 ans dans une école privée genevoise qui a généralisé le Wi-Fi, fréquence proche de la 4G, et elles se battent pour faire remplacer le Wi-Fi par une connexion câblée. Avec Sonia, nous avons été voir le directeur. Elle a été plus que moi le voir, parce que moi, c'est vrai que je m'étais beaucoup baignée dans les recherches, et puis c'est vrai que c'était une période pas facile, parce que plus je faisais de recherches, et plus j'étais inquiète. Et quand même, il faut savoir que je déposais tous les jours mon fils dans la classe. Donc c'était pas une période facile. Et le directeur, au final, a accepté de câbler, mais il ne veut pas payer l'installation. Il va falloir faire un appel de dons aux parents pour obtenir 50 000 francs et câbler. Et présidente de cette association. Quand on est maman de petits-enfants, on est en droit de se demander si on ne soumet pas nos enfants à un danger direct lorsqu'on les met dans une école qui utilise le Wi-Fi, par exemple. Karine et Sonia n'ont pas souhaité communiquer le nom de l'école dans laquelle vont leurs enfants.
En matière de connectivité, le privé préfigure la généralisation du numérique annoncée dans l'enseignement public. L'école Mozart n'accueille pas d'élèves avant l'âge de 8 ans. Mais dans ses classes, le Wi-Fi rayonne et les enfants ont tous leur tablette, ce qui leur permet de faire des exercices en ligne. Quand la maîtresse elle dit qu'on travaille avec les iPads, ben, y a beaucoup plus de monde on est plus content d'être sur les iPads que d'écrire. Et surtout, on avance plus vite parce que c'est plus rapide et on écrit moins. Donc ça avance plus vite, on fait plus d'exercices, donc on apprend plus. En fait, on a des applications pour faire des exercices et tout. Et c'est plus sympa. Et quand c'est plus sympa, on apprend mieux. Tous les départements de l'instruction publique, tous les pays aujourd'hui investissent massivement dans le déploiement de Wi-Fi dans les écoles parce qu'il y a une interaction qui est extraordinaire, qui serait complètement impossible avec des outils câblés. Donc, on n'est plus dans cette logique-là, je crois. Vous avez assez confiance dans l'arsenal législatif qui réglemente le domaine aujourd'hui ? Je préfère avoir confiance. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, oui, ça serait quand même assez énorme d'imaginer que les lobbies industriels et économiques aient un poids pareil aujourd'hui au XXIe siècle par rapport aux chercheurs, par rapport à l'indépendance de la recherche. Je crois dans les normes aujourd'hui européennes qui ont décidé et décrété qu'on avait encore la possibilité de laisser utiliser ces outils, même avec des enfants plus jeunes, et que leur exposition n'était pas, et leur santé mise en danger. Mais peut-on vraiment faire confiance ? En 2006, les universités de Bâle et de Berne analysent une soixantaine d'études portant sur la dangerosité du téléphone mobile. Découvertes des chercheurs, les études financées par l'industrie observent des effets négatifs sur la santé dans 33% des cas. Les études financées par le public observent des effets négatifs dans 82% des cas. Conclusion, les résultats diffèrent en fonction du financement, ce qui jette un doute sur l'indépendance des chercheurs. Au Parlement de Strasbourg, la députée verte et docteur en biologie Michèle Rivasi dénonce ce phénomène. On a plein de faisceaux scientifiques avec des expertises indépendantes qui montrent qu'il y a un effet. Et puis, les opérateurs nous sortent d'autres études qui financent eux-mêmes, vous voyez, pour entretenir le doute. On a eu le tabac qui nous a montré qu'il y avait des experts financés par l'industrie du tabac. Et maintenant, on a plein d'experts financés par les opérateurs de téléphonie mobile. Parce que l'argent est roi et notre santé est secondaire. Lorsque vous avez appris un problème sanitaire, ça coûte des milliards d'euros à la société. Mais on ne veut pas les prendre en charge parce qu'on est sur l'effet immédiat, on est sur le court terme. Et moi, ce que j'essaie de leur montrer, c'est que si on continue comme ça, toutes les études scientifiques montrent qu'il y aura une augmentation de gens qui seront intolérants aux champs électromagnétiques et qu'il faut anticiper, il faut diminuer, vous voyez, les champs électromagnétiques. Donc c'est à nous, députés européens, vous voyez, de pousser la Commission et de pousser justement ces financements pour une recherche indépendante. Parce que si elle n'est pas indépendante, on connaît déjà la conclusion. Michèle Rivasi se bat activement pour la création de zones blanches libérées des rayonnements électromagnétiques. En Suisse, il n'y en a pas, à l'exception de ce petit immeuble proche de Zurich. Ici vivent une vingtaine de personnes hypersensibles aux ondes, aux produits chimiques et autres polluants de l'environnement. Un bâtiment né d'une longue lutte menée par Christian Schifferle. Cette maison, pour moi, c'est une forme de reconnaissance de l'électrosensibilité et de la sensibilité aux produits chimiques. C'est une grande victoire, parce que c'est le premier projet. Cet immeuble est unique en Europe. Géré par une coopérative, il répond à toutes les exigences permettant une vie presque normale aux hypersensibles. Dans notre maison, nous avons pris soin d'utiliser le plus possible de matériaux de construction biologiques et sains. La maison est protégée comme sous un bouclier contre les rayonnements électromagnétiques. Comme beaucoup d'hypersensibles aux ondes, Christian Schifferle l'est également aux produits chimiques et doit souvent se protéger à l'intérieur pour éviter de respirer les parfums ou odeurs de lessive de ses visiteurs.
Mais question rayonnement, il se sent en sécurité. Ici, on peut voir qu'il n'y a aucun rayonnement. Nous avons des règles très strictes. Ce n'est pas permis d'allumer le téléphone mobile. On n'a pas de Wi-Fi. Tout est câblé. Pour les téléphones, nous n'avons que des téléphones fixes et pas d'émetteurs dans notre maison. On voit que ça fonctionne dans cette maison. Et même si les sensibilités sont très variables d'une personne à l'autre, on a trouvé une solution. Et nous aimerions réaliser d'autres projets. Ce serait super. Le bâti conventionnel, par contre, est perméable aux champs électromagnétiques. Nos logements sont truffés d'appareils dont le rayonnement traverse les murs. Alors, certains veulent savoir à quoi s'en tenir. Pierre Dubochet rend visite à la famille Breda pour faire le point sur l'intensité de leur exposition. Analyseur en main, l'ingénieur mesure les champs de basse fréquence émis par les appareils électriques et ceux de haute fréquence du téléphone et du Wi-Fi. Premier test avec le four micro-ondes. Là, ça veut dire qu'on a beaucoup de fuites. Donc les micro-ondes ne restent pas dans la cage, elles sortent. Alors on ne les sent pas forcément, mais elles sont présentes à un niveau qui est assez élevé. Vous voyez ici, on entend très bien, il y a un niveau d'onde qui est encore assez élevé pour le four à micro-ondes. Je dirais que des personnes très sensibles pourraient être incommodées par cet appareil à 20 ou 30 mètres de distance. À côté, vous avez un téléphone DECT, un téléphone sans fil. Pour l'instant, je vois qu'il est sur la base et je vais vous demander de lever le combiné. Alors, je descends le volume. Là, je vous invite aussi, dans la mesure où vous n'employez pas le téléphone, de le poser sur le socle. Parce que si vous le laissez, par exemple, le soir, ici sur la table et que vous avez votre chambre à coucher qui est assez proche, autour de votre lit, il y aura le rayonnement du téléphone DECT. Mais ce qui veut dire que quand je téléphone, je m'en prends plein la tête avec ce téléphone-là. L'appareil émet au moment où vous téléphonez, comme avec un smartphone ou comme d'autres appareils. Ça, c'est la technologie qui veut ça. Vient le tour de la petite enceinte Bluetooth. C'est choquant, hein ? Et celui de la cuisinière à induction qui émet des basses fréquences. Une cuisinière. Il y a deux solutions pour limiter ça. La première, c'est de cuisiner de préférence sur les plaques du fond, si on n'a pas besoin de 3 ou 4 feux. Et puis une autre, c'est de prendre l'habitude d'être un peu plus loin. Alors même si vous ne sentez rien, même s'il n'y a pas d'effet, ce qu'on a appris avec les rayonnements électromagnétiques, c'est qu'ils sont cumulatifs. Ça veut dire que toute votre vie, vous recevez ce rayonnement jour après jour. Et que plus vous avez reçu du rayonnement, plus le risque augmente. Votre corps a une sorte d'effet mémoire et votre biologie se fatigue à compenser ces interférences. Et peut-être quand vous avez 60 ou 70 ans, vous avez des effets sur le système nerveux qui sont très difficiles à maîtriser ou à atténuer par la médecine. Et garder leur qualité de vie. Je suis assez impressionnée, je dois dire, surtout par le micro-ondes. Alors, je l'utilise très très peu, donc ça me rassure quand même un minimum. Maintenant, le téléphone, c'est celui que je sentais, enfin que je sens quand je téléphone, et je suis très mal à l'aise avec ce téléphone-là. J'ai toujours eu avant des téléphones avec fil, et puis maintenant on n'en trouve plus tellement en fait, à part des trucs un peu ringards. Mais je crois que je vais y repasser, et puis. Par contre, les plaques à induction, j'aurais de la peine à m'en passer, à vrai dire. Puis mon iPad, encore plus. Donc voilà, je crois que je vais faire des choix. Il y a des choses que je vais garder, puis il y en a d'autres que je vais éliminer à coup sûr. Autre conseil de l'ingénieur, éteindre le Wi-Fi pour la nuit et mettre les portables sur mode avion lorsqu'on dort à côté. Déconnecté, il fonctionne très bien comme réveil matin. Ces mesures de précaution, Sostenberger ne les a pas appliquées jusqu'en 2011, année où il est devenu intolérant aux champs électromagnétiques. Depuis, cet ingénieur en mécanique a dû apprendre à s'adapter.
Il a investi plusieurs dizaines de milliers de francs pour se protéger. Blindage des fenêtres, peinture isolante au carbone sur les murs, isolation du circuit électrique, tout pour se mettre à l'abri des rayonnements. Sa maison est devenue saine, comme un îlot au milieu d'un monde ressenti comme toujours plus hostile. Il n'y a plus de ciné, il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de musée, il n'y a plus... nos filles, quand elles donnent des représentations théâtrales ou dans le cadre scolaire, en gros, j'en suis exclu de facto, ce qui est assez pénible aussi. Socialement parlant, mon rôle de paternel est bien réduit. Bon, alors ce qu'on s'est dit, c'est si on ne peut plus aller dans le monde, c'est le monde qui va venir à nous. Donc on essaie de faire des invitations. Ou alors s'il y a quelque chose en externe, toujours dire il faudra éteindre votre Wi-Fi, ou il faudra désactiver les téléphones. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se faire la promenade là? On sait qu'il n'y a pas d'antenne. Voilà, mais moi qui adorais promener, maintenant c'est un peu raté, quoi. Soit je vais tout seul, ou bien. J'y vais pas. Donc c'est toujours le choix. Est-ce que je laisse mon mari tout seul à la maison comme un chien ou on fait des choses en famille? Donc si on veut faire des choses en famille, c'est ici. Le plus gros impact, c'est au niveau professionnel. J'ai perdu deux mandats renouvelables sur le long terme comme indépendant. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Comme indépendant, vous avez zéro revenu. C'est du coup vous qui faites bouillir la marmite, si je puis dire. Oui. Ah oui, je suis à temps partiel et puis on vit à quatre sur mon temps partiel. Oui. Donc c'est vrai que c'est une charge pesante sur mes épaules. De leur côté, Lynn et Marie-Lou ont appris à limiter leur exposition suite aux problèmes de leur père. Je pense que ça doit être assez difficile pour lui, justement. Et aussi difficile pour nous, du coup, parce qu'il y a des sortes d'écho. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et puis, c'est ça qui est vraiment grave, dans le sens que tout d'un coup, quelqu'un qui va très bien peut aller mal. Et ça nous prend par surprise, quoi. Être hypersensible dans un monde connecté en plein développement, c'est se résigner à vivre comme un marginal. Du dégoût à la moquerie, en passant par l'intérêt, il y a un peu toutes les réactions. Suivant les prédispositions des gens, suivant le contexte, suivant... Souvent dans la rue, si je croise quelqu'un, c'est plutôt le dégoût, la méfiance aussi. Il y a une forme, peut-être parfois, d'un peu de compassion. J'ai cru entendre des gens qui disent « Moi, si ça m'arrive, moi, je me fous le tour. » Donc, un peu toute la panoplie des comportements humains par rapport à ce qui était une bizarrerie il y a 5 ans, ce qui l'est de moins en moins, malheureusement, aujourd'hui. À l'aube de l'avènement de la 5G, qui nécessitera des capacités de transmission plus puissantes encore, les mises en garde de la communauté scientifique se font toujours plus précises. Certains jugeront peut-être cette prudence excessive, mais il devient toujours plus difficile d'ignorer les effets imputables à cette technologie. Quel prix serons-nous prêts à payer pour continuer à en profiter ? Sachez encore qu'un autre tribunal italien, à Ivrea cette fois, a également donné raison à une autre victime du téléphone portable, Roberto Romeo, et jugé que sa tumeur cancéreuse, développée à l'oreille, était due, comme Innocente Marcolini, à l'usage de son appareil durant de longues heures. Prudence donc, et privilégiez les SMS, le haut-parleur et les écouteurs. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.